vendredi, Stanislas Wawrinka a perdu en 5-7 face à Novak Djokovic. Le Balois, lui, n'a jamais laissé la moindre chance au Serbe, 19e joueur mondial, mais si impuissant face au numéro 1. Djokovic, grand espoir du tennis, a tout donné. Mais au final, le score est impitoyable. Trois petites manches, 6-3, 6-2, 6-3. Et la Serbie est reléguée. La Suisse, elle, est sauvée. Reste la question, Federer jouera-t-il la Coupe Davis l'an prochain? Mais le Balois ne jouera très certainement qu'une seule rencontre, le premier tour en février ou alors un éventuel match de barrage au mois de septembre. Ça sera assez difficile, il doit défendre son titre d'être numéro 1. Mais Federer tient vraiment à remporter un jour la Coupe Davis, reste donc à s'armer de patience. Je ne sais pas encore, on verra bien sûr. J'attends toujours le tirage au sort. C'est pas une question simple de me poser sur le terrain. Mais en tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir ce week-end et j'espère bien sûr de jouer l'année prochaine. Ouais.